Oh!
radio, baby. Thank you.
et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point sauvé les méchants. Amen. Je demande deux cantiques au quilombo. Deux cantiques. Yeah.
ne peux pas me faire ça. Je 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 Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Pas à nous, pas à nous. Notre Dieu, notre Père, et que vous voulez que vous m'attendez à ta zambi. Nous me kuzaba, diambu ya ike kuyuku na bandu fe. Nikuna tata zambi, ya ke kukwisa, faso mwivi. Nikuna tata zambi, Betuka kulomba nange. Kirika kunge kubomba, kubomba, kubomba. Fasange kubombaka tata nzambi. Maria na Marta. C'est pour cela aussi, Seigneur. Nous t'implorons que toi-même, que tu diriges tata nzambi. Uvanda mbombi ya kirika. Kubomba bana tata nzambi, kubomba nkanda tata nzambi. O mfumu Yesu, bika ngemosi, mukembu yayi tata nzambi, ya kufwa ku Yesu Kristo. Vetume kutonda tata nzambi, kisa kutunga, kisa kubomba kiloko la yayi. Mkembo yayi mfumu nge kutwalisa yawo banda kilumbu ina tata beto mkaka beto mekukwenda nge musinge kutwalisa na te kilumbu ina yani mosi yani nge kukwenda tata nzami nous sommes des étrangers. C'est pour cela Seigneur, viens diriger toi-même, viens diriger ta main au nom de ton fils Jésus. Pas à nous, pas à nous, que toute la gloire te revienne. Au nom de ton fils Jésus. Amen. Amen. À une veillée, mais je vais demander aux gens qui ont leur Bible dans leur portable de prendre leur Bible. Nous allons lire deux textes. Ces deux textes, nous les lirons dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 1. Et le deuxième, dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Lisons dans 1 Timothée, le verset 1 à 1. Le Christ Jésus, notre espérance. Le Christ Jésus, notre espérance. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, avoir Kuvanda ne kivuvu na Yesu Kristo. Kivuvu ya moyo. Bien-aimés dans le Seigneur, attachés au Seigneur Jésus dans son œuvre de résurrection de son Père. Et de là, il intercède pour nous et il viendra pour nous prendre. Notre espérance en Jésus, nous le savons tous que Jésus est parti au ciel. Et il intercède, comme je viens de le dire. Mais ce qui est bien, Jésus nous a laissé une promesse.
je vais et je reviendrai. Il est parti vers son Père et il reviendra pour nous chercher. La grande question, c'est de savoir comment Jésus viendra me chercher. C'est de voir ta position, comment Jésus viendra me trouver. Il dit, je suis allé vous préparer une place. C'est une promesse. La place, c'est pour tout le monde. Parce que la parole de Dieu nous dit, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Pour Dieu, il ne veut pas voir les gens à l'enfer. L'enfer a été établi pour Judas et ses anges. Mais nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ. Parole de Dieu. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils ne vivent pas la parole. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de son Père. Et vous allez voir, parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens qui viennent diviser dans nos familles. Vous allez voir des pasteurs, des évangélistes, mais qui ne se comportent pas selon la parole de Dieu. Mais chaque dimanche, ils vont à l'église. Ils se font chrétiens. Mais Dieu nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Parce qu'il le dit dans Jean, au chapitre 15, au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous produisiez des fruits et que votre fruit demeure. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. C'est pas ça? C'est ça la vérité. Aimez-vous les uns les autres. Et vous allez voir, dans nos églises, il y a des gens qui viennent dans nos églises et qui ne s'aiment pas. Amen. Et ils sont dans nos églises. Amen. Il y a des gens qui ont dit que je veux suivre Jésus pour abandonner le péché, mais ils ne s'entendent pas avec son frère. Ils sont là à l'église. Ils viennent se cacher à l'église. Tous vont à l'église. Mais comment puis-je soit là? Et me tirer un rubis. Kabuna. Mais Baba, c'est nous qui nous avons fait ça. Et me tirer un rubis. Mais vous n'irez pas au ciel. Vous venez seulement chauffer le bon pour rien. Vous irez à l'enfer. Vous irez à l'enfer. L'espérance de Jésus-Christ, c'est de aimer ton frère. De vivre avec ton frère dans la vérité. Parfois les païens sont bons, qui se partagent parfois des mégots de cigarettes, qui peuvent prendre l'œuf ensemble, des chrétiens. On nous quand même aussi nous dit, donc quand il a comme zone ça, mais par exemple chaque matin il va à l'église. Les gars sont ça comme panade. Est-ce normal? Est-ce normal? Non. Est-ce normal? Non. Ah oui. Il n'y a pas longtemps que je suis arrivé dans ce pays. Je crois que ça va me faire 5 jours ou 6 jours que je suis là. Et je vois des choses dans ce pays. Mais pas longtemps. Mais le jour que je vais repartir au Congo, je vais leur dire, oh vos enfants, il ne faut pas beaucoup les embêter, ils souffrent. Je vous vois travailler, je vous vois. Ça ne fait que 5 jours que je suis là. Mais je vous vois comment vous faites là. Quand j'étais au Congo, je ne comprenais pas. Mais quand je suis arrivé, je suis en train de comprendre. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse, parce que ce que vous êtes en train de faire ici, ce n'est pas possible. Même quand tu vas expliquer ça au Coréen, il ne va pas comprendre. Mais moi, j'ai vu. Saint Thomas. J'ai fait le Saint Thomas comme un nom, Thomas. J'ai vu. Et je vais leur dire, que nous parlons, pas si vous êtes là, vous êtes là. Oh, calme, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Non. Bien-aimé, je veux revenir sur mon texte de ce soir. L'espérance sanctifie. Parce que celui qui est dans le Seigneur, il est sanctifié. Celui qui est dans le Seigneur a la crainte du péché. C'est ça le problème. La sanctification. C'est de vivre avec le Seigneur. D'avoir la crainte du péché. C'est pour cela que chaque jour, le Seigneur nous rappelle. Nous rappelle. C'est pour ça que quand tu as quelque chose avec ton frère, et quand tu veux aller donner une offrande, va d'abord s'entendre avec ton frère avant d'aller donner l'offrande. Et ça, c'est biblique. C'est biblique. Et c'est très important dans notre vie, dans nos familles, dans nos églises. C'est très important. Oui. Pour un lien ici en France, pour un lien, qui nous séparera de l'amour de Dieu? La fin? La nullité? Mais Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et là où ils sauront que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est très important dans notre vie. C'est très important parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il va revenir nous chercher. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Tous nous sommes créés par Dieu. Mais la différence, les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les hommes de Dieu, tout le monde, nous sommes créés par Dieu. Mais quand tu es appelé enfant de Dieu, tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois accepter l'autre tel qu'il est. Tu dois accepter l'autre tel qu'il est. Ah oui. Et ça, c'est très important dans la vie du chrétien. C'est très important. Ce soir, Papa Wayoukila, que nous connaissons bien, depuis le Congo, depuis sa paroisse, que je le voyais chaque fois au Congo, et il nous a réunis aujourd'hui, ce soir, dans cette salle. Je crois que parmi ceux qui sont là, Il y a beaucoup de frères qui peuvent faire le témoignage de Papa Wayoukila. Mais ce que je veux dire ce soir, je n'irai pas loin. Mais je voudrais vous demander de réviser votre vie spirituelle quand vous êtes en France. En France, beaucoup de frères se sont refroidis. Mais quand ils arrivent au Congo, c'est les premiers qui vont ouvrir le temple de queue de 6 heures. Mais ici, ils sont les derniers à ouvrir le temple. Beaucoup de frères se sont refroidis ici. C'est vrai, par rapport au comportement des uns et des autres. Mais le problème, c'est que, regarde ton salut. Le salut est individuel. Chacun de nous partira un jour. Personne ne va rester ici. Tous, nous allons mourir. Même Mobutu Sese Seko, il est mort. Et pas Kinshasa, au Maroc. Mais
il s'appelait Mobutu Sese Seko. Aimons-nous les uns les autres. J'insiste sur ça parce que je sais pourquoi je le dis. Ça me fait 5 jours, mais je suis en train de voir des choses ici vraiment invivables. Il n'y a pas longtemps, je suis allé régler un problème. Et quand j'arrivais, je croyais que c'était un grand problème. Et si je vous dis ce problème que je suis allé régler, vous allez rire. Je vous le dis. Oui. Amen. Non, je vous le dis. On ne connaît pas les personnes. Non, vous ne connaissez pas les personnes. Voilà, ça peut édifier aussi. Ça va édifier aussi. Le problème qu'ils avaient dans leur maison. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Oui. Ça me fait que 5 jours que je suis là, je suis allé régler un problème. C'est quel problème? Carte bleue. Est-ce la carte bleue peut amener à un divorce? Ah, ici oui. Hein? C'est possible ici. Ici c'est possible, hein? Voilà. Chez nous c'est pas possible. Ah. Mais tu vois, il semble, il s'agit qu'il m'a coulé ma foi, c'est pas carte bleue. Ben la vie, carte bleue, les nouveaux. Vous carte bleue, ma poêle ma fouille, carte bleue. Et moi, la carte bleue, on a commencé à quelle heure? Dites-moi. Écoutez, on a commencé. Je suis rentré dans cette maison-là, il était 19h. Je suis parti de cette maison-là avant de faire repartir la femme dans la chambre. Je suis parti de là à 4h du matin. Yeah. Heureusement que le mari avait compris, dit pasteur, viens d'abord, à tous les verts de ton mari. Allez la dire. Au moins, ouais, il a mané quand même. Lâchez-moi comme ça, vous Kati. Lâchez-moi comme ça, vous Kati. Carte bleue. 2 semaines. Donc, quand le mari vient. Il écrit, je vais manger le moussuka. Quand la femme me dit, est-ce que tu as laissé l'argent? Aïe. Et ça passait comme ça. Carte bleue. La casse. Et après j'ai dit, oh non, carte bleue. Bon, la femme a commencé, le mari a commencé. J'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, le mari hein, donne cette carte bleue. Oh, parfois, quand on a la carte bleue, quand on a même tient mon cas. Tout la catine mon Kati. Pour rien. Ils ont trouvé les enfants. Pour rien. Carte bleue, mon frère, carte bleue. Il est en carte bleue, il est en carte bleue. Antes de mon Kati, demande carte bleue. Oui. Aimons-nous les uns les autres. Pour rien, ici là, pour rien en France. On se divise. Pour rien. On se divise. Pour rien. Au fond, il y a des choses qui nous attendent au ciel. Le ciel nous attend parce que nous irons au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur va revenir. Comment il va te trouver? Dans quelle situation il va te trouver? Toi qui t'es refroidi, pendant cette veillée, Dieu veut que tu puisses te ressusciter et vivre ta chrétienté. Parce qu'il dit, je viendrai comme un voleur. Celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. La suite du programme. Vous avez demandé Nadikanda. La prise après ça va être au programme. Peut-être aussi la pasteur qui est samedi Nadikanda. Ok, d'accord. En ce moment, il n'y a pas encore eu de programme préparé. Bon, donc je demande à la famille quand même de s'approcher pour intercession. Est-ce que nous avons dit qu'il y a des gens qui ont été en train de se Donc pour l'instant, le corps est encore à la mort.
Le convoyage du corps au Congo sera le 23 mars. Donc, les proches, ceux qui sont en communication avec la famille, on vous donnera au moment opportun comment ça va se passer. Donc, la levée du corps aura lieu le 23 mars. Et puis, le corps sera convoyé à Brazzaville. Voilà pour l'instant le programme. Merci. Prisonnière, la famille, venez, on va intercéder pour vous. Le monde de la famille, les nièces, les neveux, les petites filles, les filles, les petits-fils, les tantes. Je vais inviter, s'il y a des diacres parmi nous deux, venir les entourer. Témoignage de quoi samna papa samna mama akuiza kana diambu ya mbote et diambu ya mpasi ne kuzwa bene ya ke pasi ate le pasi ya kusupporter et muzwa kusabla samna bene Il n'a coupé sa vélo, monte à façonner, n'a maman façonner, maman king. Coco, et va caca coco, et va caca maman. Catuculo, il y a tatabalo qui l'a, puis à coupable la vélo mouille la cata de canne, y a qui tatanzami. Zola, nous sommes la carte de Kanda Yabena. Et Tatanzan, Zola Bena. C'est bien nous Sibasana. En parlant de la Leki, à Yaya. Par la Vankazi, Tatanzan qui peut y aller à Diamant, la carte de Kanda Yaya. Dans Kokila Yaya, Tatanzan, Zola peut y aller à Diamant. Bumba baou, ngimosi,
bika tata nzambi nge kutwali saba betwe kuyadi samke moyayi nange mbatukulu ya yao na nsukuno ya yao nge mosibika ndukuyani yala ya umvimba tata nzambi Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, nous voulons une fois de plus, Seigneur, te présenter cette famille. Tu intercèdes pour cette famille parce que à cette heure décisive, cette famille est inconsolable. Inconsolable. Viens les consoler. Visite-les, Seigneur notre Dieu. Dis à chacun de Dieu, le Seigneur, tu es leur Dieu. Seigneur, nous voulons te présenter leur voyage sur Brazzaville, le 23, date retenue, pour convoyer le corps sur Brazzaville. Seigneur, fais le déplacement avec nous. Conduis-les sous la nuit et l'assignation pour que la fête aux enfants d'Israël. Bénis chacun d'eux. Et dis à chacun d'eux que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et mets en eux l'amour, la joie, l'unité des enfants de Dieu. Et implore en eux ta bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père, et la communion du Saint-Esprit soit et demeure en nous. Amen. Allez vous asseoir. Merci. Un cantique de Kilomo. Amen, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te présenter tes bien-aimés. Tu connais leurs problèmes. Nous avons des malades. Nous avons des frères qui ont des situations. Viens débloquer ces situations. Ô Seigneur notre Dieu, nous profitons ce soir d'intercéder pour ce peuple réuni ce soir dans cette salle. Chacun d'eux a un problème. Ô Seigneur, je t'invite de toucher chaque serviteur et servante ici présent. Parle à chacun de nous. Et maintenant, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous bénir. Ensemble, nous voulons élever nos cœurs vers toi en disant, notre Père, que ton règne vienne. Recevons la part de Dieu, sa bénédiction, la communion de cet esprit, soit et demeure. Allez dans sa paix, allez dans son amour, allez dans sa force, peuple de Dieu. Amen. Amen.
Thank you.
Canon. Hein? Canon. Cinquième marque. Hey. Thank you.
voiture la salue, ouais. Hein? Une voiture la salue, un kilo. Une voiture, ouais. Eh, la salue. Quand, quand. Y a madame.